Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Elle arrive bientôt dans nos assiettes, après de longs mois d'attente à s'impatienter de la retrouver un jour. Deuxième légume consommé dans le monde après la pomme de terre, la tomate ne peut se dissocier de sa saisonnalité. Elle nous inspire la chaleur de l'été et la fraîcheur apportée. Les premiers récits sur la découverte de la tomate remontent à quelques siècles déjà. Cette plante sauvage et vivace est originaire des vallées andines en Amérique du Sud. Plusieurs espèces apparentées sont à l'origine de la tomate cultivée, en particulier Solanum esculentum serrasiforme. Cette tomate sauvage produit de petits fruits pleins de graines et assez amers. Il semblerait que la tomate originelle soit le Lycopersicum pimpinelli folium. À cette époque, l'Empire Inca avait développé un système d'irrigation très complexe et très élaboré, qui lui permettait de cultiver sans aucune peine des céréales et des tubercules. Pommes de terre, quinoa, maïs, arachides, haricots, ananas, cacao et bien évidemment la tomate. Au contact des Espagnols colonisateurs en 1527, les Incas y voient tout d'abord Francisco Pizarro comme l'incarnation de la prophétie de l'arrivée du dieu Viracocha, tant attendu. Les habitants se sont donc peu méfiés de cette venue et pourtant, nous connaissons la suite. La conquête espagnole a bien évidemment été l'occasion de ramener de multiples plantes et espèces sauvages. Les tomates faisaient partie de la cargaison de retour en Europe. On trouve encore actuellement à l'état sauvage, au Pérou, aux Antilles et au Texas, la tomate d'où dérivent les tomates que nous connaissons qui ressemblent à des tomates cerises. Et voilà donc le début de notre histoire avec celle-ci en Europe. Sans être de tout repos, la tomate va passer de l'amour au désamour. La première description que Matthieu Luce, botaniste et médecin italien, en fait en 1544, nous a permis de savoir que les tomates cultivées en Amérique latine étaient déjà diversifiées. Appelées vulgairement pommes d'or, pour Matthieu Luce, on les déguste frites dans l'huile, cependant elles peuvent des fois, voire souvent, faire vomir. Aussi, très rapidement en Europe, la tomate va être classée dans la famille des mandragores, une cousine de la tomate qui est réputée pour sa toxicité bien connue. D'ailleurs, elle est décrite à l'époque comme rouge blanchâtre ou jaune, l'odeur puante et étrange des feuilles et le fait qu'elle est aussi dangereuse pour en user que la mandragore. Idée pas forcément infondée puisque la tomate est toxique pour notre corps si elle est consommée non mature. Elle contient un élément chimique appelé le glycoalcaloïde, de la solanine qui peut causer des maux d'estomac et de la nervosité. D'où l'intérêt de bien vérifier la maturité du fruit puisque la molécule tend à disparaître le long de sa croissance. La tomate va rester présente dans le quotidien, mais une fois de plus, elle ne se mange pas. Elle fait office de plante ornementale et va garder ce statut pendant longtemps. Au XVIe siècle, c'est à Naples que celle-ci va entrer dans l'alimentation après avoir été considérée comme plante médicinale. Au XVIIIe siècle, en France, la tomate sauta du pot de fleurs pour aller s'aligner dans le jardin de Monsieur Roumanille, ancien soldat de l'Empire devenu jardinier, et devint à force d'eau et de soins, juteuse et goûteuse, comme ses sœurs qui étaient restées en Italie. Il faut attendre 1731 pour qu'elle soit reconnue officiellement comestible par le botaniste écossais Philip Miller, qui lui adjoint l'adjectif esculentum, qui veut dire comestible. En 1790, la tomate arrive à Paris, avec les révolutionnaires marseillais qui en réclamaient dans les auberges et dans les restaurants. Les premières exploitations françaises débutèrent à Barbantane, Château-Renard, Malemort, Marseille et Perpignan. Au XIXe siècle, grâce au progrès de l'irrigation, la tomate a connu un essor qui, par la création du chemin de fer, allait conquérir l'Europe, puis aujourd'hui le monde. Alors la tomate, un légume ou bien un fruit? En 1893, aux États-Unis, un débat éclate sur ce sujet, un débat qui prend une allure économique lorsqu'on sait,
que les légumes sont taxés et pas les fruits. Une loi est finalement statuée pour déclarer la tomate comme légume, y voyant l'impact économique d'un produit dont l'intérêt grandit à travers le monde, mais botaniquement parlant, la tomate est un fruit. En plein été, sous la chaleur écrasante, la tomate est excellente pour notre santé. Tout d'abord, elle nous hydrate, puisqu'elle est composée de 90 à 93% d'eau. Elle est classée parmi les 10 aliments qui hydratent le plus. Elle est également très riche en fibres, pigments et vitamines, pour un bilan calorique très faible. Le pigment qui caractérise la tomate de sa couleur rouge est du lycopène. Celui-ci est un atout majeur, puisque notre corps n'en fabrique pas, et que nous en absorbons 85% par le biais de notre consommation en tomates. Crues ou cuisinées, en consommer 6 mg par jour, l'équivalent de 2 tomates, prévient certains cancers, lutte contre le mauvais cholestérol et prévient tout problème cardiaque. C'est donc une pomme d'or à inscrire au menu tous les jours pour l'été. Plus de 10 000 variétés sont répertoriées à travers le monde, formes, couleurs, saveurs. La tomate nous surprend tout l'été, et il est normal de souhaiter la déguster toute l'année. Pourtant, notre appétit glouton nous dépossède de l'attente nécessaire pour apprécier à sa juste valeur la qualité gustative et naturelle, gorgée de soleil, d'eau, de terres riches et non traitées, pour être au plus proche du réel bénéfice que la nature nous propose et que nous devons respecter. Voir une fois de plus l'agro-business s'emparer de la tomate en proposant des variétés phares comme la cœur de bœuf par exemple ou encore la Green Zebra qui a le vent en poupe, sur des étals d'hypermarchés en toute saison, me désole et pour cause. Tout d'abord, ce ne sont pas les réelles variétés, il s'agit d'hybridation. Le calibrage, la couleur sont tout simplement adaptés au désir du consommateur qui bien évidemment est au préalable dirigé. C'est également des serres géantes installées en Bretagne par exemple, éclairées 24 heures sur 24, créant pollution lumineuse, où l'on croirait observer une aurore boréale vu la couleur des lumières utilisées pour la croissance des plantes. C'est finalement encore une fois un impact carbone fort pour satisfaire le désir d'un consommateur à qui l'on fait croire que tout lui est disponible à n'importe quel moment, au-delà des règles naturelles et limites planétaires. Quel leurre! Mais la tomate, c'est aussi le premier légume que chacun met chez soi lorsqu'il dispose d'un peu de place en extérieur. À qui a déjà goûté ses propres tomates ne peut donc plus se tromper sur l'importance de respecter les saisons. Pour ma part, elles poussent, les tomates apparaissent et commencent à rougir. Les premières seront dégustées fraîches avec un léger assaisonnement ou directement mangées sur le pied encore chauffées par le soleil. Puis l'abondance se précisant au cours de l'été, les bocaux de tomates séchées, réduites en coulis ou sauces maison variées, vont être préparées pour permettre d'apprécier la tomate tout au long de l'année. Bonne dégustation estivale, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur délire, j'ai trouvé ça. Quoi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green, aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois, mais tu vois le Green absolu. Green, plus Green.